Le chef de l'État, Macky Sall, a réitéré hier son appel au dialogue avec l'opposition. Une initiative saluée par le Forum du Justiciable dans un communiqué que nous vous proposons une extenso. À ce contexte lourd et plein d'incertitudes de toutes les parties prenantes, et plus particulièrement les acteurs politiques, doivent au nom de l'intérêt général répondre positivement à l'appel au dialogue réitéré par le président de la République le jour de la vérité. Faire preuve de surdité à cet appel serait un immense gâchis et un rendez-vous manqué pour la discrétion de la situation sociopolitique et la baisse de la tension qui ne cesse de couver, voire monter en puissance d'une part, et la formulation d'un consensus fort pouvant aboutir à l'organisation d'une élection présidentielle libre, transparente et apaisée d'autre part. La sauvegarde de notre commun vouloir de vie commune doit transcender les divergences et les contradictions des uns envers les autres. Le dialogue a jalonné l'histoire politique du Sénégal, ce qui lui a valu la conservation de sa trajectoire de stabilité et la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. La paix sociale n'a pas de prix, elle vaut tous les sacrifices. Le Forum du Justiciable, soucieux de la promotion de la démocratie et la sauvegarde des principes et des valeurs républicains, invite l'opposition à saisir cette opportunité pour discuter et bâtir des consensus forts dans le respect de l'état de droit et des institutions. Demande au gouvernement de concrétiser cet appel en envoyant les termes de référence dans les meilleurs délais. Invite tous les acteurs à bannir toute forme de violence et pacifier le sang politique. Suggère à la société civile de jouer pleinement son rôle dans cet appel au dialogue.